Conrad. C'est encore loin. On approche, grand patron. Allô? Allô? Où tu es? Comment ça? Toi, t'es où? Pourquoi tu m'as laissé tout à l'heure? Sarah et moi, on était occupés. Reviens ici tout de suite. Non, je peux pas. Et pourquoi ça? Parce qu'Adèle vient d'appeler. Elle ne m'a rien dit de spécial, mais à en juger par ses questions. Je pense que les flics sont en route. Vous feriez mieux de partir tout de suite. Ah, bon sang. Ok, vous tous, écoutez-moi bien. On doit dégager d'ici. Sarah, va chercher nos gars. Réunis-les tous. Très bien, on y va. On doit partir, là. Oh, quoi? Le NBI est en route, il arrive. Grouillez-vous. Sarah, allons-y. Patron, on est enfin arrivé. Allons-y. Rocco. Ok, Greg, descends. Attends, papa. Le NBI. Bougez! Allez, allons à l'intérieur. Non, restons d'abord ici. Laissons entrer Monsieur Marciano, juste au cas où les choses s'enveniment. Conrad, sors-nous de là! Et vite! Et souviens-toi de l'adresse. Allez, venez là! Voyez-vous. Il faut qu'on parte! Allez, venez! Fais monter les gosses! Allons-y, les gars. Oh, vous, allez, là, vite. Oui, monsieur. Le reste, suivez-moi. D'accord, monsieur. On dirait qu'ils ont tous déjà filé. Monsieur, on a trouvé l'endroit où ils gardaient les enfants. Continuez les recherches, on pourrait trouver des preuves exploitables. Allons-y. Monsieur, négatif à l'arrière. Toutes les voitures sont parties. Sécurisez tout le bâtiment. Qu'est-il arrivé? Ils ont tous filé. Quelqu'un a dû les rencarder. Et les enfants, où sont-ils? Ils les ont emmenés. Est-ce que c'est vrai, monsieur? C'était vraiment le repère d'un trafic humain? Ce bâtiment où était Rocco? On a vu ces enfants de nos propres yeux. Ils ont été entraînés là. C'est grâce à la vidéo qu'a tournée Samuel qu'on a pu obtenir un mandat pour visiter les lieux. Toutefois, quand on y est arrivé, on aurait dit qu'ils avaient été avertis. Mais madame, j'aimerais savoir une chose. Comment vous avez pu trouver cette cachette? Vous voyez, on avait déjà des soupçons sur cet homme, monsieur, ce Rocco. Mais nous ne pouvions pas le dire parce que... Tout le monde disait que c'était des spéculations sans rien pour les appuyer. Mais il y a eu un jour où je suis allée voir Agatha. Je l'ai vue là-bas, quitter la maison. Alors j'ai décidé de le suivre. Et après un moment, je l'ai vue entrer dans cet endroit, monsieur. À propos de ce Rocco, qu'est-ce que vous savez? Pas grand-chose. Il s'est présenté à nous... comme un démarcheur médical. Depuis lors, il me tombait toujours dessus comme si c'était par accident. Mais en y repensant, il aurait pu vouloir me garder à l'œil. Connaîtriez-vous le nom de famille de Rocco? Non, monsieur. Fernandez. Rocco Fernandez. Voyez si on a quelque chose sur un Rocco Fernandez. Oui, monsieur. Vous dites avoir vu cet individu Rocco partir de chez Agatha, c'est ça?
Quelle relation est-ce qu'ils ont? Ils sont amants. Mais... Attendez, Agatha a toujours nié ça. À chaque fois qu'on lui a demandé, elle a affirmé qu'il n'était pas son petit ami. Elle disait qu'il leur arrivait de sortir quelquefois. Trouvez-moi Agatha pour un interrogatoire. Monsieur, voici tous les Rocco Fernandez que nous avons dans les dossiers. Merci. Aucun d'eux ne ressemble au Rocco que nous connaissons. Il a l'air d'avoir mon âge, peut-être même un peu plus vieux. Il a la peau claire, un corps très musclé. Il est assez grand. L'une de vous a-t-elle une photo de ce Rocco? Non, pas du tout. Dommage, si on en avait une, on aurait pu la montrer à Jolo. C'est peut-être l'homme qui l'a enlevé. Ou il pourrait être le frère à qui Sarah fait référence. Peu importe, on va devoir chercher plus avant. S'il n'a pas de casier, nous vérifierons s'il a demandé un passeport, un numéro de sécurité sociale ou un permis de conduire afin de pouvoir enfin localiser cet homme. Allez, allez, vite, monte cela. Monte-les rapidement dans ma chambre, ok? Ok. On aura encore plus de sacs à apporter demain, allez. Mais y a quoi là-dedans? De l'or? Arrête de te plaindre et monte-les vite au premier, dépêche-toi. Allez, vite. Oh, attends. Agatha? Salut, grand-mère. Que fais-tu ici? J'en ai un petit peu marre de chez moi, en fait. Je reviens avec toi. Oh, merci, mon Dieu. Oh, ta mère va être très heureuse de ta décision. Tu sais, quand on vit tout seul dans une maison, on se sent vite très seul. Et puis, ce qu'on dit est vrai. Y a pas mieux que chez soi. Je me sens bien ici. Oh, béni sois-tu, chérie. T'as fini? Tout est en haut. Pas de récompense? Et puis quoi encore? Non mais, t'as vu ta tête? C'est pas vrai, ça. Bon, d'accord, tu sais quoi? Rentre d'abord chez toi et prends une douche parce que là, tu dégoulines de sueur, ça me dégoûte. On dirait un vrai cochon. Allez, juste un. C'est bon, je vais y réfléchir. Allez, fais pas ta tête de mule. Barre-toi d'ici. Dégueulasse. Ok, salut, merci, Dante, merci. Merci. Oh, Adèle est là. J'ai de bonnes nouvelles. Agatha revient vivre avec nous, n'est-ce pas? Eh bien, ça me fait plaisir. Il faut qu'on parle toutes les deux. Du nouveau? Monsieur, on a vraiment regardé partout. On n'a trouvé personne du nom de Rocco Fernandez ressemblant à la description que nous en a fait Erika. Ce nom-là pourrait être un faux. Il n'aura pas non plus de papier d'identité. Ça va être dur de le trouver. Vérifiez encore. Oui, monsieur. Oh, vous êtes là? Où est Jolo? Est-ce qu'il a mangé? Oui, il a dîné. En fait, il dort à l'étage. Ils ont attrapé les gens qui ont pris Jolo? Ils étaient déjà partis quand le NBI a envahi leur repère. Même les enfants étaient partis. Je pensais pouvoir enfin mettre un terme à tout ça. Je pensais qu'on pourrait sauver les enfants, mais on n'a pas réussi. Erika, ne perds pas espoir. On retrouvera ses enfants. On luttera encore. Aie confiance, d'accord? On doit trouver un plan qui va nous permettre d'attraper Rocco. Et Agatha est la seule personne qui peut nous mener à lui. Je veux que tu sois franche avec moi. Tu sais, je suis allée chez toi et j'ai bel et bien vu Rocco en sortir. Est-ce que tu vis avec lui? Comment ça? T'essayes de jouer les espions, là, c'est ça? C'est pas vrai, je ne t'espionnais pas. Je voulais vraiment te voir, c'est pour ça que j'y étais. Mais en arrivant, j'ai juste vu Rocco sortir de chez toi. Agatha, je suis ta mère et je suis morte d'inquiétude pour toi. Enfin, tu sais que je t'aime. Alors je veux que tu me dises la vérité. Est-ce que tu fais partie de ce gang avec Rocco? De quoi tu parles, je comprends pas. Mais comment ça, de quoi est-ce que je parle? Tu sais très bien de quoi je parle.
Erika et moi, on le sait déjà. On sait déjà où est le repère de Rocco et qu'il y gardait les enfants kidnappés. Alors Agatha, s'il te plaît Agatha, je t'en prie. Je t'en prie Agatha, si tu en fais partie, quitte ce gang. Franchement, tu dis n'importe quoi. Mais de quoi tu parles? Quel gang enfin? Je sais rien là-dessus, ok? Mais oui, j'admets que Rocco était bien mon petit ami. Mais je sais rien à propos de ce gang. Je sais pas du tout de quoi tu parles. Est-ce que c'est pour ça qu'il partait toujours? Sans jamais me dire où il allait, peut-être bien. Alors comme ça, il ferait partie d'un gang? Je savais rien de tout ça. Mais bon, t'as pas à t'en faire. J'ai déjà rompu avec lui de toute façon. C'est d'ailleurs pour ça que je suis partie de chez moi, pour qu'il puisse pas revenir. T'inquiète pas, je le verrai plus jamais. Je suis contente d'entendre ça, et aussi contente que tu reviennes vivre avec nous. Au moins ici, je pourrais t'arrêter au cas où tu te mettes encore dans un autre pétrin. Alors, ça veut dire que je suis de nouveau la bienvenue? Bienvenue à la maison, Agatha! Tu voudrais pas enfiler quelque chose de plus confortable? T'aurais pas envie de retirer tes chaussures? Non, ça va. Non, mais... Ces chaussures sont faites pour marcher, tu sais. Mais je voudrais que tu te sentes plus chez toi. Regarde, j'ai une paire de mules ici. J'en ai pas envie, maman. Viens les mettre. Allez, enlève tes chaussures à talons pour que tu te sentes plus à l'aise. Avec les mules, tu pourras plus facilement monter l'escalier. Tu as des sacs? Oh, d'accord. C'est bon, je le fais. Regarde. C'est bon? Voilà. Satisfaite? Voilà. Sérieux, maman. Hé, tu sais que t'es incroyable? Tu pensais que je savais pas ce que tu faisais, peut-être? Je suis au courant pour la déclaration de Jolo. Il a parlé d'une femme qui avait un tatouage en forme de papillon. Tu vois bien qu'il y en a pas, là, non? Alors, c'est bon, t'es heureuse? Oh mon Dieu, oui, Agatha. Oh oui, je suis heureuse. Ok. Si t'es heureuse, alors, ça veut dire que je peux monter? Reste heureuse, ok? Pour toujours, s'il te plaît. Je suis encore de retour ici, dans ce trou puant. Je suis revenu à mon point de départ, complètement fauché. Tout ça à cause d'Erika. C'est à cause d'elle que le NBI nous a trouvés. Elle essaye d'interrompre mes opérations. Je me laisserai pas faire par Erika. Surtout pas parce que Fabian est de nouveau dans la course. Jamais je te laisserai me regarder échouer comme ça. Je suis pas un perdant. Je le suis pas. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, Erika, désolé. Il nous faut vraiment montrer cet endroit à Jolo maintenant, pour savoir si c'est vraiment là qu'il a été retenu. Chérie, cet endroit te semble familier? C'est l'endroit où ils m'ont mis en même temps que les autres enfants. Juste là.
grâce à l'identification des lieux par Jolo, nous avons maintenant plus de preuves contre Rocco Fernandez. Le problème, c'est qu'on n'a rien sur lui. C'est pour ça qu'on a besoin de votre aide pour récolter plus d'informations à son sujet. Très bien, monsieur. Nous sommes prêts à vous aider. Faites défiler. Là, monsieur. Aucun d'eux. Plus bas, je vous prie. C'est bien lui ? Il a la peau claire et une arête nasale marquée. Et pour les cheveux, il a une coupe assez courte. Il a plus de cheveux juste là. Oui, comme ça. Eh bien, Samuel, avez-vous pu trouver une photo de Rocco Fernandez sur Internet ? Négatif, monsieur. Plein de Rocco Fernandez sont apparus, mais aucun n'est le Rocco Fernandez que nous cherchons. Il n'a laissé aucune trace sur Internet. Ce type sait comment effacer sa piste. J'ai fini, monsieur. C'est bien, on fera avec ça pour l'instant. Où est Jolo ? Avec l'assistante sociale. Jolo doit voir ça. On a besoin de sa confirmation que Rocco est bien un de ses ravisseurs. Bon portrait. Rocco, attends. Rocco, où tu vas ? Je vais voir Erika. Je dois savoir si c'est elle qui a notre argent. Non, ne pars pas, c'est dangereux. Ils ont pas encore confirmé qu'on a une connexion, nous deux. Alors je crains toujours rien. Je reviendrai vite. Rocco ! Jolo ? Maman, dis-moi, est-ce qu'on va rentrer à la maison ? J'ai pas envie de rentrer maintenant. Tu n'es pas fatiguée ? Pas encore, maman. J'espère qu'on pourra aussi rendre visite à tante Carrie et papa à l'hôpital plus tard. Chérie, c'est d'accord, on ira voir tante Carrie plus tard. Mais pour ton père, on peut pas encore le voir. Monsieur Marciano veut te demander quelque chose, c'est d'accord ? Tu es d'accord avec ça ? Peux-tu le faire ? Si tu ne peux pas, c'est bon. Oui, je peux le faire. Jolo, je vais te montrer des dessins, d'accord ? Pour voir si t'en reconnais un parmi eux. Le grand monsieur effrayant est juste là, maman. C'est lui qui m'a pris chez papa et m'a emmené dans cette cage avec les autres enfants qu'ils avaient pris. Lequel est-ce, Jolo ? Celui-là. Les soupçons d'Erika étaient exacts. Rocco est celui qui a pris Jolo. Enfin, on sait qui il est. C'est bien lui qui a kidnappé Jolo. Quoi ? Qui est-ce ? Que se passe-t-il enfin ? Sors de là ! Allez, descendez. Partez. Essayez-vous de nous éviter, docteur. Pourquoi je ne le ferai pas ? Je sais que votre bâtiment a été saisi. Que pensiez-vous qu'il allait arriver ? Hein ? Qu'il nous arrêterait tous pendant que vous vous défiliez en douce de notre gang ? C'est ça que vous pensiez ? Je suis plus futé que ça, vous savez. Je sais que s'il vous attrape, vous m'entraînerez dans votre chute fatalement. Si la police vous arrête, je gagne quoi ? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Les autorités ont saisi votre bâtiment, votre gang est à l'agonie. C'est juste un bâtiment, docteur. C'est juste un lieu.
Nos opérations n'ont pas cessé et trouver un autre lieu sera facile. Bien sûr que ça l'est. Grâce à l'argent que vous m'avez volé, il vous sera facile de trouver une nouvelle base d'opération. Vous avez raison. C'est facile pour nous d'acheter un autre repère. Mais nos problèmes ne s'arrêtent tristement pas là, docteur. Le NBI nous suit à la trace. Donc, nous devons nous débarrasser d'absolument tous les témoins. Jolo. Mais il a tout dit au NBI. Tant que le gosse n'a pas approché du tribunal, on peut encore l'empêcher de témoigner. Pourquoi est-ce que vous me dites tout ça? Le môme ne sait rien sur vous. Alors vous êtes une des seules à pouvoir encore approcher Erika. Qu'est-ce que vous insinuez? Ce que j'essaye de dire ici, docteur, c'est que vous serez celle qui tuera Erika et aussi Jolo. Notre témoin vient de confirmer que c'est bien Rocco qui l'a kidnappé. Très bien, monsieur. Nous allons faire imprimer des avis de recherche. Mais ne les donnez pas aux autres commissariats, ni aux médias. Selon Erika, ce Rocco Fernandez ne sait pas que nous le soupçonnons. Si jamais il apprend qu'il est recherché, qu'il est le principal suspect, il s'enfuira dans la foulée et on ne pourra plus le retrouver. On va laisser Rocco penser qu'il craint rien du tout et qu'il peut se déplacer tranquille. C'est le meilleur moyen, à mes yeux, d'intercepter ce criminel. Compris, monsieur. Allons-y. Non. Je n'ai pas ça en moi de tuer quelqu'un. Même au Paraíso. Je n'ai jamais tué personne, Fabienne le sait. Mais je m'en fous complètement, docteur. Et je ne suis définitivement pas Fabienne. Je ne sais rien de cela, pour l'amour de Dieu. Je ne sais même pas comment tenir correctement une arme. Il y a bien d'autres façons de tuer quelqu'un, Rosemary. Vous êtes médecin ou je me trompe? Vous savez très bien ce qui peut soigner et ce qui peut tuer une personne, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai une foi absolue en vos talents et votre intelligence. Je suis sûr que vous allez trouver quelque chose. Non. Non. Je ne ferai jamais ça. Vous refusez. Vraiment. Peut-être avez-vous déjà oublié que personne ne veille sur Debbie? Avez-vous seulement idée d'à quel point ce serait facile pour moi d'entrer chez vous, hein? C'est ce qui va arriver demain, docteur. Quelqu'un mourra. Et qui sera celui qui meurt demain, ça c'est à vous de voir. Est-ce Erika et Jolo? Ou est-ce votre fille? Je vous laisse décider. On a bien un accord là, n'est-ce pas? À vous de choisir. Ah.